bras levés, prie le Seigneur de tout ton cœur, demande à Dieu d'affecter ta vie, de bénir ta vie. Asola lola na yokolo, wetembula na yepeta. Levons nos voix, prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, move et opère au milieu de nous. Au nom de Jésus, que ta gloire accompagne ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen en acclamant très fort. Que Dieu soit béni. Salut ton voisin, salut ta voisine, dis-lui, c'est le pasteur Bishop qui te salue. Je dis encore un grand merci à Dieu qui nous fait grâce d'être là ce matin au milieu de vous. C'est avec beaucoup de crainte et tremblement que nous nous tenons chaque fois du haut de la chair, tout en sachant que nous serons aussi récompensés, jugés pour la manière dont nous avons communiqué la pensée de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde ce matin. Et
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je me suis rendu compte que plusieurs signes vont caractériser réellement les temps de la fin. Et au travers de ces 30 matins, moi et vous, nous nous rendons vraiment compte que nous sommes au temps de la fin. Et je suis convaincu que nous avons compris les temps dans lesquels nous sommes et tout ce que le Seigneur nous a dit au travers de ses serviteurs qui sont passés en ces lieux, chacun selon sa grâce, et nous apportons la portion de la connaissance que Dieu lui a accordée. Mais vous allez remarquer aussi avec moi qu'il y a plusieurs catégories de signes du temps de la fin. Il y a premièrement des signes liés aux événements. La Bible nous parle des guerres, de bruits de guerre, des conflits entre des nations. Mais la deuxième catégorie, c'est aussi des signes liés au comportement, à la mentalité, au caractère, à la manière dont les hommes vont se comporter en ces temps de la fin, notamment l'égoïsme que parle le pasteur Lévi, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, le plaisir, aimer le plaisir plus que Dieu, l'apostasie, toutes ces choses, l'ingratitude, toutes ces choses vont aussi caractériser la fin des temps. Et bien aimé, il ne faudrait pas que toi, en tant que personne, tu deviennes pour nous un signe du temps de la fin. Quand on te voit, on se dit vraiment, waouh, nous sommes au temps de la fin. Il ne faudrait pas que tu deviennes un frère, signe du temps de la fin. Une sœur, signe du temps de la fin. Quand on te voit, rien que par ton habillement, on dit, waouh, nous sommes vraiment au temps de la fin. Je ne veux pas devenir un prophète du temps de la fin où quand on me voit, on dit, voici les faux prophètes dont la Bible a parlé. Alléluia. Ne devenons pas des signes du temps de la fin parce qu'il y a des choses qu'on nous dit, c'est vrai que ce sont des évidences du temps de la fin, mais que moi et toi, nous pouvons être épargnés ou soit surmonter cela. Alléluia. Et par la grâce de l'Éternel, ce matin, nous allons parler d'un sous-thème important. Mon sous-thème, c'est les partenaires du royaume. Quelqu'un dit avec moi, les partenaires du royaume. Il y a trois catégories de partenaires du royaume que le Seigneur va susciter en ces temps de la fin. Les temps nous manquera pour parler de toutes ces trois catégories des partenaires du royaume. Il y aura les partenaires financiers du royaume, le partenaire numérique du royaume, le partenaire spirituel du royaume. Alléluia. Par la grâce de l'Éternel, nous allons peut-être avoir l'occasion d'en parler. Mais ce matin, nous parlerons spécialement sur les partenaires financiers du royaume. 1. Pourquoi parler des partenaires financiers du royaume? Pourquoi parler des partenaires financiers du royaume? Parce qu'en ces temps de la fin, il y aura une guerre contre l'Église liée à l'argent. Une guerre contre l'Église liée à l'argent. Le monde des ténèbres prépare une grande guerre contre l'Église en utilisant l'argent comme arme efficace, comme arme efficace. C'est pourquoi vous allez même remarquer que dans la grande tribulation, la plus grande souffrance humaine sera liée à l'argent. La Bible dit, personne ne pourra ni acheter, ni vendre. Élément principal, l'argent. Alors parlons deuxièmement, quelles sont les stratégies que le monde des ténèbres va utiliser. Quelles sont les stratégies que le monde des ténèbres va utiliser? Premièrement, le monde des ténèbres en ces temps de la fin va utiliser la stratégie d'injecter des grandes sommes d'argent par des hommes et des femmes occultes afin de vider l'Église de Jésus-Christ. Alléluia.
afin d'éloigner le peuple de Christ, afin de sortir Christ de l'Église. Ainsi, la parole du Seigneur dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 au verset 22, va s'accomplir. La Bible dit ceci, Apocalypse 3, 14 à 22. « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. C'est ce que l'Église dira en la fin des temps. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte. Christ, au temps de la fin, se tiendra à la porte. Donc, il sera en dehors de l'Église pour la simple raison que la richesse de l'Église, l'autosuffisance de l'Église va sortir Jésus de l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. C'est la stratégie en ces temps de la fin. Et bien aimé, cette stratégie a déjà commencé. Sous d'autres cieux, le monde des ténèbres a déjà commencé cela. Mais avant d'en parler, écoutez bien aimé. C'est pourquoi en ces temps de la fin, l'Église a besoin du don de discernement des esprits. L'évangéliste Reinhard Bonnke qui raconte cette histoire dans son livre, lui qui tenait de grandes croisades. À un certain moment, une femme est venue vers lui pour lui dire « Le Seigneur m'a béni, j'ai beaucoup d'argent. » Effectivement, cette femme avait beaucoup d'argent. Il dit « Le Seigneur m'a convaincu de pouvoir soutenir toutes tes croisades. Donc, tu n'auras plus à t'inquiéter pour cela. Tu n'auras qu'à prier, à programmer des dates, à préparer la parole. Et moi, je financerai toutes tes croisades dans le monde. » Waouh ! Quelle bonne nouvelle ! Quelqu'un dira « Gloire à Dieu !» Mais Reinhard Bonnke demande à la femme de prier d'abord. Et il raconte dans son histoire, il dit qu'il est allé prier. Dieu ne lui a clairement rien dit. Mais la nuit, il voit un songe. Il a un songe et il voit un lac. Et dans ce lac, il y avait des grands crocodiles. C'était tout ce qu'il a vu. Et le jour du rendez-vous avec la femme pour que l'homme de Dieu puisse répondre, la femme invite l'homme de Dieu chez lui à la maison. Et comme quelqu'un de civilisé, il fallait qu'il puisse visiter la concession. Et quand elle était en train de visiter la concession, il va voir que cette femme avait fait faire un lac artificiel dans sa concession. Exactement la vision que l'homme de Dieu avait vue. Il a compris que ce n'était pas un bon signe et il a dit non à cela. Alléluia. Nous ne savons pas quel serait le plan et la stratégie, mais à coup sûr, c'était de détruire les ministères de cet homme. L'Église, en ce temps de la fin, doit avoir le discernement des esprits
à cause de cela. Notez bien ceci, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, le verset 12 au verset 13, la Bible dit ceci: après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus la nuit les dérober pendant que nous dormions. Le diable avait utilisé l'argent pour empêcher que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ soit connue. La même stratégie est utilisée aujourd'hui. À cause du poids financier, à cause du poids d'argent, aujourd'hui des homosexuels et leur influence politique, ils sont en train de voter des lois. En France, ils ont réussi à le faire, à voter une loi appelée « mariage pour tous ». Et finalement, à cause de leur poids financier, même l'église protestante de la France a accepté aussi cela. Vous voyez, ce sont des gens qui se sont infiltrés à l'église, influençant l'église, mais pour des mauvaises choses. Pendant ce temps, en même temps, aux USA, la même influence a commencé. Et c'était vraiment d'une manière sournoise à l'église, où des hommes, des homosexuels, viennent injecter beaucoup d'argent, amener des grands ministères dans des niveaux supérieurs. Mais ils sont allés même jusqu'à vouloir influencer la loi, jusqu'à ce que Dieu puisse susciter Trump, qui va annuler les mariages homosexuels. Je suis en train de prier de tout mon cœur, maintenant que les élections sont en train de venir, que l'Éternel nous fasse grâce de voter des députés qui suivront la bonne morale. Nous n'allons pas les voter à cause de leur poids financier, mais à cause de leur moralité et à cause de leur foi. Alléluia. Et je prie de tout mon cœur que l'Église puisse fournir à la société des députés ayant la foi chrétienne et la bonne morale pour influencer les décisions, afin que la politique ne détruise pas l'Église du Seigneur. Sinon, Dieu va susciter des hommes comme des Trump. Et je prie que cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Deuxième stratégie que le diable va utiliser en ces temps de la fin, c'est bloquer les finances pour empêcher l'avancement du royaume. Il a fait la même chose à Israël dans Exode chapitre 10, le verset 24. La Bible dit: Pharaon appela Moïse et dit: allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec toi. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des croissances numériques, mais la croissance financière n'est pas en train de suivre. Parce que comme vous le savez, moi et vous, l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte quand même quelque chose. Et le diable travaille à bloquer. Il le travaille de plusieurs manières, notamment placer l'égoïsme dans le cœur, notamment placer tout ce qu'on nous a dit ici, enfin d'empêcher. Bien-aimé, j'aimerais le dire clairement, le nombre dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas souffrir de terminer le temple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train de travailler à bloquer les finances de l'Église. À bloquer les finances de l'Église. Deuxième grand point, nous allons nous poser la question de savoir qui sont les partenaires financiers du royaume. Qui sont les partenaires financiers du royaume? 1. Ce sont des hommes et des femmes qui sont naturellement libérales. Naturellement libérales. Quelqu'un dit avec moi: naturellement libérales. Waouh, j'ai eu le mot qu'il faut quand l'homme de Dieu, le pasteur Lévy, est en train de dire que le donné est divin. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de pouvoir donner. Et les partenaires du royaume que Dieu va susciter en ces temps de la fin, il les a déjà préparés en plaçant naturellement la libéralité dans leur cœur. Dans leur cœur.
Vous savez, c'est à cause de notre incrédulité, c'est à cause de notre égoïsme que nous sommes obligés de tout le temps enseigner sur le donner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme naturellement libéral. Naturellement libéral. Ce sont des personnes. Être partenaire du royaume n'est pas question d'avoir des millions, mais plutôt le don naturel de la libéralité. Car c'est possible d'avoir beaucoup et ne rien donner. Mais c'est possible aussi d'avoir peu et de tout donner. C'est pas question d'avoir des millions, mais c'est question d'avoir ces dons-là. Ce sont des hommes par qui Dieu passe pour bénir son œuvre. Et les autres, il a placé en eux ces dons naturels de la libéralité. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes de confiance. Quelqu'un dit avec moi, des hommes et des femmes de confiance. Des hommes et des femmes de confiance que Dieu a décidé de faire confiance. Les partenaires financiers du royaume sont des hommes de confiance par qui Dieu déposera le fonds pour l'avancement du royaume. Ils ne sont pas comme des ONG congolais. Vous savez, les ONG, ils vont en Europe, ils ont des fonds, mais quand ils viennent, ils demandent des fonds pour des orphelins. Mais quand ils viennent, c'est eux qu'on remarque. Je ne sais pas si eux-mêmes sont des premiers orphelins à qui ces hommes-là ont donné l'argent. On remarque simplement les changements par des voitures, par des maisons. Ils s'enrichissent au dos des orphelins. Sur le dos des orphelins. Mais les hommes, les partenaires financiers du royaume, sont des hommes sur qui Dieu peut compter. Il sait qu'il peut passer au travers d'eux. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous que Dieu ne fait plus confiance. Dieu a donné pour le royaume, mais le royaume n'a pas avancé. Dieu a donné pour l'avancement de son œuvre, mais l'œuvre n'a pas avancé. Il y a des gens qui ont pleuré à Dieu. « Seigneur, si tu me bénis, ton œuvre ne souffrira jamais. » Mais le Seigneur l'a béni. Dieu ne le voit même plus. Ils sont devenus rares, des personnes recherchées par Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes que Dieu est en train de récupérer de plusieurs manières. Parce que vous savez, quand tu as perdu confiance en Dieu, Dieu n'aime pas perdre ce qu'il a donné. Dieu ne va pas perdre. Lorsque Judas travaille dans une église, Dieu va déposer l'impôt de Jésus et de Pierre dans la bouche d'un poisson. Donc c'est pour dire, bien-aimé, s'il y a ce matin, c'est grave, ça doit nous choquer, c'est vrai que c'est un bon signe, c'est bien, ça nous bénit. Mais quand on voit le Seigneur susciter des gens de loin pour venir construire au milieu de nous, pour venir apporter leurs pierres, ça veut dire qu'il y a des personnes ici à qui Dieu avait confié cela, mais qui n'ont pas été fidèles à Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer dans ta vie, certaines sommes ont disparu. Dieu a simplement essayé avec toi, mais tu n'as pas été souple et tu n'as pas été un homme ou une femme de confiance. J'aimerais donner cet exemple. Si cela t'a déjà arrivé, tu vas simplement lever les mains. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses avec nous. Ça t'est déjà arrivé que nous sommes en train de prier. Vous êtes dans un endroit en train de prier. Et tu sens comme une prophétie monter. Pendant que tu es en train de lutter avec ça dans ton esprit, quelqu'un d'autre le donne. Ça t'est déjà arrivé? Vous voyez, Dieu venait de faire un stage avec toi pour voir si par toi il peut passer pour parler. Mais du fait que tu n'as pas été souple, il va déposer cela sur une autre personne. De la même manière, Dieu a confié à certaines personnes, à un certain moment, Dieu a commencé à te bénir d'une manière surnaturelle. Je dis bien d'une manière surnaturelle pour que l'œuvre avance. Mais parce que tu as été un blocage, Dieu prend le même fond. Il va les déposer dans la vie d'une autre personne. C'est pourquoi tu as remarqué dans ta vie, certains sont disparus. Disparus. Je me rappelle un jour, ça se passe dans une église. Un dimanche, le pasteur vient à l'église et voit qu'il y avait de belles fleurs sur l'estrade, des très belles fleurs.
ne connaissant pas la personne, le pasteur dit que Dieu bénisse la personne qui a orné l'église. Et après les cultes, c'est une maman qui vient en pleurs. Pasteur, dites-moi exactement qui a fait ça pour que je lui rembourse l'argent. Le pasteur dit, je ne sais même pas qui a fait ça, mais pourquoi tu veux le rembourser? Il dit, non, Dieu m'avait mis à cœur de le faire et j'avais dit à Dieu, s'il m'est béni, je le ferai. Il m'a béni, je n'ai pas été fidèle. Vous voyez, dans la même église, Dieu va prendre quelqu'un qui n'en avait même pas, mais Dieu va placer la semence entre ses mains, elle exécute. Et cette dame, aujourd'hui, je la connais, c'est une amie. Dieu l'a bénie d'une manière extraordinaire. Quelqu'un avec moi? Alléluia! À chaque fois que nous refusons de contribuer à l'avancement du royaume, nous perdons en même temps la confiance de Dieu. La confiance de Dieu. Écoutez, le fond du royaume ne viendra pas par un ange. Le fond du royaume, Dieu le déposera entre nos mains. C'est pourquoi, bien-aimés, nous, en tant que pasteurs, rarement nous prions, nous ne prions même pas. Seigneur, envoie des gens qui vont bénir l'œuvre. Non, nous disons, Seigneur, bénis ton peuple, afin que ton peuple soutienne ton œuvre. Mais Dieu est en train d'exaucer la prière, mais le peuple est un blocage. Lorsque nous refusons de libérer ce qui est destiné à l'avancement du royaume, Dieu nous retire ce qui nous est destiné. Alléluia. Lorsque tu refuses de libérer, vous savez, un jour, j'ai été choqué. C'était un choc. Après un culte de dimanche, une maman vient bénir le Seigneur en disant, je pense que ça s'est passé dans la semaine. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui était d'extraordinaire? Il dit, je suis rentré à la maison, j'ai trouvé qu'on m'a volé 1 500 $. Jusque-là, je ne trouvais pas qu'est-ce qui était extraordinaire. Il dit, parce que avant de venir à l'église, j'avais une somme de 25 000. Donc j'avais 25 000 dans une enveloppe et 1 500 dans le sac. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devais amener le 25 000 et aller à l'église. Mais ce jour-là, on n'a même pas vu un billet de 100 $ dans le panier. Donc, elle est venue avec les 25 000 et elle est rentrée avec les 25 000. Alors, Dieu a vu ça. Il a donné au Koulouna le 1 500. C'est pourquoi il y a plusieurs. Vous perdez de l'argent. C'est normal. Dieu est en train de récupérer. Il est en train de retirer ce qui est à lui. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Que Dieu soit béni. À chaque fois que nous libérons ce qui est destiné pour le royaume, Dieu libère aussi ce qui nous est destiné. Alléluia. Quand nous libérons ce qui est destiné pour le royaume, Dieu nous libère aussi ce qui nous est destiné. Troisièmement, les partenaires financiers du royaume sont des hommes et des femmes qui travaillent avec leur cœur et non avec leur poche ou leur compte en banque. Ils travaillent avec leur cœur. Quelqu'un dit avec moi, avec leur cœur. Écoute ce principe, ne l'oublie jamais dans ta vie. Ton sacrifice ne doit pas avoir simplement la taille de ta poche, mais plutôt la profondeur de ton cœur. Dieu n'est pas impressionné par notre argent. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous lui donnons. Peu importe ce que tu peux donner à Dieu, cela sera ta pauvreté. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par ça, mais Dieu est impressionné par la disposition de notre cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Luc chapitre 21, de 1 à 4, dans le verset 4, il dit ceci. C'est Jésus qui dit, « Car ceux de leur superflu, que tout cela ont mis des offrandes dans le panier. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Il n'y a que la personne qui a beaucoup aimé qui va donner tout ce qu'elle a pour vivre. » Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par notre argent, mais Dieu regarde dans notre cœur.
Jésus loue cette femme parce qu'elle a donné avec son cœur. Le vrai partenaire financier du royaume sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment l'œuvre de Dieu, qui aiment et qui respectent les hommes de Dieu malgré leur position dans la société. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Vous savez, aux États-Unis, on apprend ça, il y a des églises qui engagent des pasteurs. Et un pasteur était nouvellement engagé dans une église et il demande à avoir le cahier financier de l'église. Et quand il regarde, il pose la question de savoir, est-ce que ceux-là qui viennent dans cette église sont des chrétiens? Parce qu'on reconnaît un homme qui aime Dieu aussi par sa manière de donner. Si le christianisme a commencé par le donner, le christianisme se maintient par le donner. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons donné notre vie à Christ. Mais nous ne pouvons pas prétendre avoir tout donné à Christ si nous ne donnons pas aussi ce que nous avons. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, par où nous sommes passés, Dieu a tout permis cela pour l'avancement de son royaume. Il n'y a rien qui n'est que pour nous-mêmes. Non. Tout de nous doit contribuer à l'avancement du royaume. Tout de nous. Quatrièmement, les partenaires financiers du royaume sont des hommes et des femmes qui se sentent le plus concernés dans l'église. Et quand l'église est dans le besoin, comme s'ils étaient le seul à être à l'église. Tu veux reconnaître si tu es partenaire du royaume. C'est quand ton cœur bat, quand on parle de besoin de l'église. Un vrai partenaire du royaume est celui, quand on parle de besoin de l'église, il a l'impression que le pasteur ne parle que de lui. Comme si les autres n'existaient pas, que de lui et lui seul. Son cœur bat pour l'avancement du royaume. Il se sent le plus responsable de tous. Ça se passe dans le cœur. Les partenaires financiers du royaume, cinquièmement, sont des hommes et des femmes d'actions concrètes et non des promesses de flatterie. Ce sont des hommes et des femmes d'actions concrètes et non des promesses de flatterie. Il y a des gens qui ont fait à Dieu des vœux. D'autres même sont allés au-delà, venant vers des hommes de Dieu, pasteurs. Si tu pries pour moi, si la main de l'Éternel avec moi, mais nous, on ne va pas souffrir à l'église. Dieu a agi, mais ils n'ont rien fait. C'est pourquoi les vrais partenaires du royaume, ils ne promettent pas, ils agissent simplement. Alléluia. Je dis bien, ils agissent simplement. La plupart de ceux-là qui apportent des promesses, des flatteries, surtout en les parlant aux hommes de Dieu, sont des personnes qui pensent que quand il va corrompre, influencer le cœur de l'homme de Dieu, il va aussi influencer la main de Dieu dans leur vie. Un homme, un pasteur a raconté une histoire, c'était grave, dit un papa à l'église, est venu, pasteur, j'ai un problème. Mon dossier, notre marché était accepté dans le gouvernement, mais nous avons un dossier important. On doit décaisser $1 million pour nous. Priez. Pasteur est allé, il a prié. Dieu a agi. Bien-aimé, au lieu pas fandanaï, il n'est pas béni, pasteur. Oh, Dieu a agi. Pasteur, venez, on va célébrer Dieu ensemble. Vous savez, humainement parlant, pastoral, les pasteurs se disaient déjà, j'ai la dîme qu'il va donner à l'église des 100 000, ça c'est normal. Mais au fur et à mesure, il s'est rapproché, le pasteur a commencé à calculer, dit, si le sorcier de ma famille combat le cœur de cet homme, il va donner 70 000. Mais si le sorcier de mon père s'associe au sorcier de ma mère, pour combattre les cœurs de cet homme, il va donner dans les 60, 50 000. Mais si le sorcier de mon père s'associe au sorcier de ma mère, ajoutons au sorcier de mon ministère, je suis sûr
qu'il va donner dans les 40 000. Mais si tous les trois catégories de sorciers s'associent aux sorciers de ces papas-là, je suis sûr qu'on est dans les 30 000. Mais quand il arrive, les papas étaient simplement en train de rendre grâce. Pasteur, demandez à ma femme. Ils n'ont pas fait d'échec. C'était cash en espèces. Ah, pasteur, il s'imaginait déjà le montant en espèces rentrant avec à la maison. Vous savez, jusqu'à ce que le pasteur a commencé à dire, papa, moi je vais partir. Vous savez, quand quelqu'un te promet de partir plusieurs fois, c'est que soit il a un problème qu'il veut que vous puissiez parler, soit il a un problème de transport. Donc quand quelqu'un dit, nangina kende, pasteur a laki, papa se comprenait. Alors le pasteur s'est dit, ah certainement, il a déjà donné au chauffeur. Pasteur a koti moutouka, bazozonga, bakomiti nandaku, pasteur a komo lakana chauffeur, je vais descendre. Le chauffeur dit, j'ai déjà débloqué. Mais oui, je descends ici. Ouais, pasteur s'est débloqué, que Dieu vous bénisse. Le pasteur est rentré, il a pleuré. Moi j'ai dit, ce papa-là, et même Satan, a kamoué. À tel niveau, mouté mamabe, bien aimé. Satan, quand il a combattu Job, il a même laissé un seul serviteur pour aller annoncer. Donc même sans, il y a serviteur et il y a thé pour annoncer que Bamion est Zali. Alléluia. Je ne sais pas quand vous acclamez, c'est parce que c'est rigolo ou parce que ça plaît à écouter. Alléluia. C'est grave. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait des promesses de flatterie. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais vous n'êtes jamais. Ce sont des gens qui créent des sérieux problèmes à l'église. On fait un appel de fonds, on dit, ok, c'est bon, on a atteint le montant. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à concrétiser parce qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus. Sixièmement, les partenaires financiers du royaume sont des hommes et des femmes qui craignent Dieu et vivent dans la sanctification, et non des hommes et des femmes qui veulent se blanchir en donnant l'argent à l'église tout en continuant leur sale vie. Des gens comme ça n'aiment pas qu'on leur prêche la sanctification. Un vrai partenaire du royaume, malgré le poids financier qu'il aura, il a la mentalité de l'éternité. Il veut vivre éternellement avec Dieu. Il ne substitue pas sa vie de sanctification à l'argent qu'il donne. Mais il sait que la finalité, tout ce qu'il fait, a une portée éternelle. Et sa finalité, c'est vivre éternellement avec Dieu. Ce sont là les riches pour Dieu. Ils financent le royaume, mais ils ont aussi des robes blanches de l'éternel. Alléluia. Un vrai partenaire financier du royaume a le souci d'aller au ciel. Je suis en train de prier, de souhaiter cela. Car Dieu m'a dit un jour qu'il va susciter dans les églises des hommes et des femmes riches pour lui. Malgré ta richesse, que le verset qui dit qu'il est difficile à un chameau d'entrer dans une aiguille, de la même manière aux riches d'entrer au ciel. La Bible dit, cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. C'est possible d'être riche, millionnaire, mais de vivre l'éternité avec Dieu. Je le déclare dans ta vie, et celui qui dit Amen, un miracle lui arrive. Les avantages d'être partenaire financier du royaume. Écoutez ceci. Quand tu résous le problème du royaume, quand tu résous le problème de Dieu, Dieu va aussi résoudre tes problèmes. Dieu ne reste pas indifférent quand nous sommes en train de résoudre le problème de Dieu. Quand tu es en train de le faire, Dieu va aussi résoudre tes problèmes. Vous savez, jusqu'à récemment, j'ai compris ce que le Seigneur avait fait avec moi. Mais avant, je ne comprenais pas d'où est venue cette bénédiction. Écoutez, bien-aimé, je me rappelle il y a longtemps, j'étais encore célibataire, 0 plus 0 divisé par 0, multiplié par 0 égale 0. Je suis allé à un voyage missionnaire et on m'a béni. Et pendant que j'étais en train de manger, le Seigneur vient vers moi. Et il me dit, Bishop, tu te rappelles, le matin, tu as parlé avec un jeune homme. Je lui ai dit, oui,
Oui, j'ai parlé de Jésus à ces jeunes hommes. Dis ok, mais est-ce que tu te rappelles que pendant que tu parlais, tu lui parlais, il t'a aussi parlé de ce problème d'études? J'ai dit exactement. Il dit, tu vois l'argent que je t'ai donné, ce n'est pas pour toi. Tout cet argent, c'est pour financer les études de ces jeunes hommes. Heureusement, il y a un passage dans la Bible qui dit, c'est lui qui sème avec larmes. Ces jours-là, j'avais vraiment semé avec larmes. J'ai donné. Des années plus tard, Dieu me bénit avec 3 enfants. J'ai 2 jumeaux et 1 fille. Et quand ils ont commencé l'école, j'avais une vision de l'école. Papa nous dit toujours, il faut investir dans l'éducation de tes enfants. Nous n'allons pas toujours léguer à nos enfants l'église. Pas du tout. Il faut investir dans leur éducation. J'avais une école que je voulais que mes enfants étudient, mais je n'avais pas de moyens. Jusqu'à un jour, je viens voir papa, il me dit, il y a une école qui a décidé de prendre quelques enfants gratuitement. J'ai dit, papa, c'est quelle école? C'est exactement cette école. Dans cette école, on paye 1 500 $ l'année, sans compter d'autres frais. On paye 1 500. Mais mes enfants à moi, les jumeaux, ont été acceptés dans cette école depuis la maternelle jusqu'en 6e primaire. Ils ne vont pas payer, c'est gratuit pour eux. Le peu que j'avais donné. Mais regardez ce que Dieu... Tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de faire quand tu libères ce qui est à lui. Marie est venue avec un vase et du parfum. Il a résolu le problème de la saleté de pied de Jésus. Mais Jésus a résolu le problème de la saleté de sa vie en disant à Marie, tes péchés te sont pardonnés. Je suis en train de prier du plus profond de mon cœur que Dieu puisse t'encourager en résolvant le problème de ta vie. Et Jean chapitre 11 nous dit, il nous raconte l'histoire de la résurrection de Lazare. Mais bien aimé, il ne faut pas lire la Bible rapidement. Avant d'introduire cette histoire, on dit, Lazare dont on veut parler, c'est le frère de Marie qui a versé le parfum. Pour dire que l'histoire que vous allez lire maintenant, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis l'offrande. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La troisième chose, Dieu ne va simplement pas résoudre tes problèmes. La deuxième chose, mais Dieu va résoudre tes problèmes en apportant un bonus. Quelqu'un dit avec moi bonus. Oh, quelqu'un dit avec moi bonus. Jésus a résolu le problème de la saleté de la vie de Marie. Jésus a résolu le problème de la réputation de Marie. Mais Jésus vient aussi au devant du tombeau de Lazare et dit, Lazare, sors. C'est le bonus que Marie ne savait pas que son simple parfum. J'aimerais poser la question, est-ce qu'un simple parfum peut payer la vie d'une personne? Tu n'as pas idée. C'est qu'une simple offrande peut amener dans ta vie. Parce que comme l'homme de Dieu l'a dit, l'argent n'est pas l'argent. L'argent n'a pas la valeur de la banque. Mais l'argent dans ta vie a la valeur de ta vie. Nous pouvons donner des offrandes matérielles, mais ayant des bénédictions en santé, ayant des bénédictions spirituelles, ayant... Tu n'as pas idée. C'est ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu nous bénisse abondamment.